retrouvons donc avec la rentrée littéraire d'Occitanie Livres et Lectures, avec aujourd'hui Gilles Mouraton, que je vais présenter en deux mots. Donc Gilles Mouraton est déjà un vieil auteur, puisqu'il a une œuvre derrière lui, une œuvre qui est composée de romans, de nouvelles, de poésie, de théâtre, donc un auteur multiforme, on va dire, mais qui nous revient aujourd'hui avec un roman qui s'appelle Marconi en personne, qui est édité, et le livre est paru, je crois, chez Piranha. Donc, Gilles Mouraton nous propose en fait un récit assez étrange, assez troublant. Nous avons le récit d'un homme, qui est un homme qui, dans les premières pages, semble assez banal, un peu perdu, qui a du mal à vivre. Et peu à peu, on va découvrir la société dans laquelle il doit survivre, on va dire, qui est une société de type orwellienne. Mais avant, on va en parler plus longuement, mais avant peut-être que Gilles pourrait nous présenter un petit peu ce personnage et dire un petit peu le parcours qu'il va avoir tout au long du livre. Alors oui, effectivement, pour comprendre le personnage, il faut dire deux mots de cette société-là. Alors on va commencer par ça. Qui est extrêmement contrainte, dans laquelle quasiment toutes les libertés ont été supprimées, évidemment au nom du bonheur de tous. On n'a même plus le droit de danser, ni d'écouter de la musique. Voilà. Et donc, c'est dans cette société-là que le narrateur évolue. C'est quelqu'un qui se dit lui-même comme étant clean, c'est-à-dire il n'a pas de problème avec les autorités, etc., jusqu'à sa rencontre avec une fille qu'il rencontre, mais elle est ivre, elle est inconsciente dans un bar, et qu'il ramène chez elle. Donc à partir de là, le roman va s'enclencher autour de la relation à la fois avec cette personne et aussi dans une escalade, on va dire, dans sa connaissance des dérives de cette société. Je ne sais pas si je suis bien clair. Si. Alors justement, et ce qui est assez habile par rapport à des romans dystopiques plus classiques, on va dire, c'est qu'on découvre cette société grâce au personnage, c'est-à-dire que le personnage, petit à petit, par ses réflexions, par des petites choses, on y rentre peu à peu dans votre société. C'est ça. C'est pas un rapport d'Amnesty International. Voilà, c'est ça. C'est un roman. Donc, ça passe effectivement par le prisme du narrateur qui doit se débrouiller pour trouver du travail qui n'existe quasiment plus, enfin, etc., pour survivre, effectivement, et aussi face à toutes les contraintes des autorités. Ça, c'est lui qui le découvre en même temps que le lecteur. C'est ça, en fait. C'est ça. Il le découvre au fur et à mesure par la fréquentation de sa compagne. En fait. Et c'est un des aspects particulièrement habiles, je trouve, réussi et qui donne le plaisir de lecture de cette approche, de cette société. Et il y a aussi donc le personnage dont on parle, le héros, n'est pas Marconi, mais il y a ce Marconi en personne qui est, vous allez nous en dire un petit peu plus, un peu le pivot du livre tout en étant peu présent. C'est exactement ça. C'est une sorte de prétexte à la narration en fait. Mais Marconi, c'est effectivement un pivot central, c'est le point autour duquel se focalise le livre. C'est-à-dire que il faut aussi savoir que dans cette société, toute l'architecture a été refaite et tout le monde vit dans le même type d'appartement. Voilà. Ce sont des grandes avenues avec des appartements qui sont identiques pour tous. Et avec le même décor à l'intérieur des appartements. Et Marconi, c'est quelqu'un qui a réussi à passer à travers les mailles du filet et qui continue à mener une vie comme autrefois, comme d'accord, on suppose, d'avant le grand changement où tout ça a été refait. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de troublant, me semble-t-il, c'est que ce Marconi, c'est un peu le comble de la banalité et en même temps le comble de la subversion. C'est ça. Ça, c'est toute la question du narrateur qui traverse tout le livre. C'est de savoir pourquoi Marconi existe, en fait. Est-ce qu'on l'a laissé faire ce mode de vie ancienne pour que les gens puissent venir l'observer, maintenir une forme d'espoir, en fait, de retour à une vie normale, ou bien est-ce que c'est un vrai subversif?
Et ça, c'est une question qui va se poser jusqu'à la fin du livre. Là, on ne va pas en dire plus. On ne va pas dire la fin du livre. Mais en tout cas, donc, et c'est sans doute un style un petit peu de votre écriture qui est assez lancinante, dans le sens que ben, ce Marconi va revenir régulièrement, un peu comme le refrain d'une chanson. De la même façon, il y a Vera. Voilà, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs situations. Et ça fait, me semble-t-il, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, l'ambiance et le style du livre. Absolument. Oui, oui, tout repose là-dessus. D'ailleurs, si le narrateur émet l'hypothèse que Marconi soit au service du pouvoir, pour freiner toutes les révoltes potentielles, voilà, mettre un frein à tout ce qui pourrait faire émerger les conditions d'une révolte, si cette supposition est vraie, parce que Marconi ne sort jamais de chez lui, la personne qui vient, qui s'appelle Vera, effectivement, qui vient lui rendre visite, qui lui apporte de la nourriture chez lui, eh bien, on suppose, enfin, en tout cas, le narrateur suppose que c'est le lien, cette Vera, entre Marconi et les autorités. Qui pourrait être, on ne sait pas, hein, des services secrets, un quelconque service de l'État, en fait. Donc, est-ce que c'est Marconi qui est un pion de l'État? Est-ce que cette Vera est une surveillante? Enfin bon, et le héros passe un petit peu par toutes les phases. Oui. Bon, oui. Il explore les diverses hypothèses. Il y a aussi dans le livre deux policiers. Enfin, c'est des policiers, enfin, ou en tout cas des régents du régime, qui sont Jack au début et puis Gask, si c'est ça, et qui sont très, très étonnants. Oui, parce que, alors, Jack, c'est un policier en uniforme qui intervient sur quand il y a un problème, etc. Et Gask, alors, lui, c'est un enquêteur. C'est un commissaire enquêteur. Donc, quand il va avoir affaire aux deux, Jack va devenir quasiment un ami, puisqu'ils se rendent visite mutuellement, mais un ami avec lequel il ne peut pas parler de grand-chose, parce qu'il ne peut même pas lui faire part de ses doutes, parce qu'il sait très bien que sa fonction de policier va l'entraîner à dire la vérité, à le dénoncer aux autorités. Donc, il ne peut pas lui dire grand-chose, en fait. Et là-dessus, on est vraiment dans 1984, où personne ne peut parler à personne, où... Ben c'est ça. Alors... Que les choses soient claires, j'ai pas voulu refaire en 1984, oui. C'était pas mon but de départ, en tout cas. Vous savez, dans la construction d'un roman, ça évolue au fil de l'écriture tout le temps. Donc, en fait, on est entraîné dans une, au fur et à mesure qu'on rajoute des anecdotes, des choses, on est entraîné vers cette société-là. C'était pas le but au départ. C'était pas une volonté d'écrire une dystopie. Si, quand même, oui, mais sur notre société. D'accord, d'accord. Actuelle. Okay. En fait, c'est une dérive. En fait. Oui, oui, on le sent bien. De toute façon, que l'écart entre notre monde réel et le monde là, il n'est pas si énorme que ça. Il est très faible. Il est très faible. Et bon, il y a plusieurs exemples qui, effectivement, sur la notion de réseau, enfin, beaucoup de choses qu'on va retrouver. Après, je pense aussi que... J'ai pensé à 1984 parce que c'est le roman emblématique de la dystopie, oui, et que à un moment donné vous avez des phrases quand vous dites l'ignorance et la sagesse, je crois, des trucs comme ça, qui sont là, les mêmes inversions qu'on peut trouver. Oui, là, je reconnais. Non, mais c'est pas un reproche, mais non, mais là où vous pointez le doigt, c'est que par le langage et par la langue vient le contrôle. Le contrôle. Oui, quoi. Oui. C'est un instrument de contrôle. Et j'ai découvert récemment, il y a un livre sur Kemperer qui était un philologue allemand qui a décomposé tout le langage du nazisme. Et on est dans ces thématiques-là. Quoi. Après, vous avez un côté surréaliste, décalé. Mais finalement, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que cherche Bella, enfin, le héros, finalement? Parce que là, il avance, il est un peu dans le brouillard, mais quel est son moteur? Alors, le moteur de Bella, dans toute l'histoire, c'est Roxane. Oui. Cette jeune femme qu'il rencontre au début. Oui. Et ils ont un écart d'âge assez important, et lui a l'impression de vivre, enfin, pour la première fois de sa vie, et de vivre une vraie vie.
Et malheureusement, tout au début de leur relation, elle est arrêtée par la police. Et donc, c'est à la suite de cette arrestation qu'il va rentrer dans ce, dans cette spirale qui va le conduire de, finalement, de rejet en rejet, comme ça, jusqu'à la situation finale. Oui, c'est vrai. Et c'est d'autant plus intéressant ce rapport à Roxane, c'est-à-dire que tant qu'il est avec elle, bon, ils font l'amour, etc., mais il est pas amoureux, il y a une forme de détachement. Il dit qu'il n'est pas amoureux. Il dit que, elle disparaît et plus elle est présente. Voilà, c'est ça. Et alors ça, c'est un truc qui m'a fait penser à votre écriture, dans d'autres romans que j'ai lus de vous avant celui-là, c'est que je trouve que vous avez un art de la mise à distance, que ce soit du héros ou des situations, et par moments, j'ai l'impression que vous avez une façon d'être présent tout en étant absent, ou en étant absent tout en étant présent. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. C'est parfois un reproche qu'on m'a fait. Ah, moi, je ne vous le dis pas. C'est parfois un reproche qu'on m'a fait de n'être pas assez impliqué, pas assez présent, etc. Mais c'est comme ça. Ça, je n'y peux rien. Enfin, je veux dire, c'est ma forme de prédilection dans l'écriture. Et je ne vais pas me renier pour sacrifier à des modes, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, je continue à écrire avec cette distance-là par rapport au personnage. Après, écrire, c'est quand même se mettre à distance. Enfin, absolument. Je pense que ça fait partie de la base. Je disais tout à l'heure que la musique du livre était assez... Il y a une musique dans le livre. Et est-ce que vous la ressentez quand vous peignez notre monde? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça qui est un peu votre quête d'écrivain? Cette façon de mettre un petit peu notre société sur une petite musique ou de jouer sur les écarts. Oui, c'est ça, plus le travail sur la langue, oui. qui est pour moi le plaisir de l'écriture, il est là. Il est sur le travail sur la langue, et s'il n'y a pas, ben, ça m'intéresse moins, ça m'intéresse beaucoup moins. J'ai cité beaucoup Orwell. En fait, à un moment donné, m'est revenu aussi, peut-être plus sur l'affaire Joseph K., le héros du procès de Kafka, notamment parce que ces personnages ne savent pas de quoi ils sont accusés. Et on sent bien que c'est vraiment un gouffre de l'angoisse de se dire, vous retrouvez devant des juges, mais vous n'arrivez pas à savoir de quoi. Et ça, vous le... Ça, je revendique. Oui, c'est un univers assez kafkaïen, effectivement. Pas par volonté de copie ou je sais pas quoi. On a tous des inspirations quand on écrit. Oui. Mais c'est l'univers du livre qui est comme ça, en fait. Et effectivement, ce personnage qui a un petit côté un peu naïf quand même, qui navigue à vue avec sa copine, avec la police, avec les autorités, enfin, il est tout le temps dans un entre-deux comme ça. Et qui va être très très vite obligé de laisser de côté sa naïveté quand même, pour affronter le réel. Ouais. Et là, il se heurte effectivement à un monde surréaliste, kafkaïen. Et vraiment, enfin, dans les premières pages, enfin, ce mot surréaliste m'est venu assez vite à vous lisant. Et peut-être, puisqu'il nous reste peu de temps et qu'une dernière question, si vous aviez une année, en quelle année ça se passerait? Dans le futur? Oui. Moi, je crois qu'on dans y est. Dans 5 ans ou dans 30 ans? Je crois qu'on y est, quoi. Mais en ce sens, je comprends très, très bien votre question. C'est effectivement un texte politique. Ouais. Et on y va. Oui, et on y va. Je crains qu'on y aille à grands pas. Bon. Voilà. 2054. Merci. Merci à vous.